Attends, 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 attends. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un coup de tourelle encore ou pas? Moon crash là? Je sais pas quoi. Crash. Moon crash. Ouais, je crois que c'est ça. Mais ça, c'est un DLC qu'il faut payer, hein. De... Est-ce qu'on répare? Non. Ok, fais voir un peu ça. Est-ce que je peux lui faire une attaque critique si j'arrive avec la... La molette, la clé à molette. Ah ouais, ah ouais, t'es en fait t'es résistant. C'est quoi ça? Je lui fais un critique, ça l'a fait tomber. En fait, les critiques font tomber apparemment. Bon, ça va. Putain. Chiant toi. Vache! Arrête! Et où le truc? Aha! Oh putain, elle est où? Putain, mais ça rend fou! Salut Kalozar, bienvenue. Merde. Ah. Ah! Voilà. Chiant, tu vois. Un peu chiant. Ok, on est de retour ici. Des bestioles en bas. Sûrement. Sûrement, sinon ce serait pas drôle. Oh, t'es relou. Oh la vache, le truc, il m'a bouffé quoi. On est bourré.
faire des tulipes. On peut pas. Lui, il marche pas. Pourquoi il marche pas? On peut le réparer. Je voudrais bien me récupérer de la vie, en fait. Ça serait vraiment sympa. Enfin, après, on peut soigner, mais c'est chiant, quoi. Ah voilà, c'est 20 euros, moi c'est ce que j'avais vu. Bon, c'est reparti. C'est reparti. Séance cinéma. Tu ne vas pas aimer ce que j'ai à te dire. Tu dois détruire Talos One. Les recherches, les typhoons, rien ne doit survivre. Toi y compris. C'est insensé, je sais, mais tu as vu de quoi ces créatures sont capables. Elles font partie de toi maintenant. Si ne serait-ce qu'une cellule revenait sur Terre, ce serait la fin. Je suis désolé, j'aimerais qu'il y ait une autre solution. January peut t'expliquer comment activer le mécanisme d'autodestruction. Alex essayera de t'en empêcher. Et il est allergique à l'échec. Il est bien trop fier pour entrer chez papa et maman la queue entre les jambes. Tout repose sur toi. Bonne chance. Je t'avais dit que t'aimerais pas. Ouais, enfin j'aime pas ça. Se suicider. Ah! Salut. Bonjour Morgan. Je suis January 2035. Je suis un opérateur. Il y a beaucoup d'opérateurs à bord de Talos One. Mais je suis unique. Je suis votre plan B. Ma première tâche était de vous extraire de la simulation. La seconde était de vous montrer la vidéo. Toutes deux sont accomplies. Intéressant. De nouvelles directives me sont maintenant disponibles. Le protocole d'autodestruction de Talos One s'active par deux clés d'armement. Votre frère possède la première. Et vous aviez la seconde. Alex a détruit votre clé d'armement. Mais vous avez caché son plan de fabrication dans le stockage. C'est là que vous devez vous rendre. Nous nous occuperons de la clé d'Alex plus tard. Les typhoons se propagent à toute vitesse, Morgan. Vous ferez la course contre eux, et contre votre frère. Cette carte d'accès vous ouvrira l'ascenseur principal et tous les laboratoires. Cool. Malheureusement, je n'ai pas réussi à remettre l'ascenseur en marche. Mais vous pouvez passer par le laboratoire de Psychotronic. Morgan, c'est de ce laboratoire que le typhoon s'est échappé. Faites attention, je vous en prie. Sujet suivant. Vous m'avez demandé de vous fournir plus de neuromodes. C'est oui. Fait. Bonne chance, Morgan. Hein? Il doit y avoir des armes au poste de sécurité dans le grand hall. Un seul? Ah, putain. Poste de sécurité dans le grand hall. Poste de sécurité, c'est là. Dans le grand hall. Là? L'ascenseur principal, c'est ça, le grand hall? Mais j'y suis déjà allé, non? Il y en a aussi là. Okay. Sympathique. Nouvel objectif. Tu veux pas me soigner? Janus, on va t'appeler Janus. On va t'appeler Janus. Pas venir avec moi. J'ai votre voix. C'est une tactique pour apaiser votre suspicion naturelle. Vous le réalisez certainement. Je vous en fais part pour vous prouver mon honnêteté. Ok. Bon, bah allons nous suicider. Hein? On y va. Suicide. Regarde si j'avais pas loupé des trucs ici. Ah, du coup je peux prendre haut-parleur maintenant.
Oups. Je vais prendre le haut-parleur et l'utiliser. Intéressant. Intéressant. Bonjour Talos. Le petit déjeuner est servi à la cafétéria jusqu'à 9h. Ah, il y avait cet endroit là avec avec le gros là. Avec le gros en feu. On va voir si maintenant on peut peut-être se le faire. Ok. Ça va être un combat. Ça va être un combat assez intéressant, je pense. Qu'est-ce qu'on peut faire? Utilitaire. Télécharger la carte de la zone. Cool. Email. Ok. Mettez pas en traumatologie. Disparition du cadavre. Vu la carte d'accès à la chambre. Sur son cadavre. Ok, ça marche. Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Voyons. Okay. Il y a le machin qui arrive. Alors comment on va faire ça? Il m'a déjà brûlé. Ah, il est rapide ce con. Putain, il est rapide ce con. Mort. On a un autre. Putain, il fait le tour, ce con. Suivant. Ok. C'est qui ça? April. Waouh, ok. Ah, je me rappelle de ça. Ah oui, putain, c'est le... C'est les questions à la con, là. Commencer le nouveau test. Non. Enfin, ça... Dossier, transférer le dossier. Une image détaillant le contenu accessible de prêt et DLC. Okay. Parlez-moi de votre rêve. Mon rêve? Oui. Je suis dans mon labo et je suis devant le miroir. Vous êtes seul? Oui. Que voyez-vous dans le miroir? Rien. Au début, je ne veux pas l'allumer. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Il faut que je l'allume. Et ensuite, c'est comme un immense trou noir.
les ténèbres, à perte de vue. Il y a une forme qui nage dans le noir. Je l'aperçois brièvement, je devine sa silhouette. J'ai l'impression qu'elle veut passer de mon côté. Il faut que j'éteigne le miroir avant qu'elle me voie. Mais je me réveille toujours avant. À quoi est-ce qu'elle ressemble? La silhouette dans le miroir? À rien. Est-ce qu'elle ressemble à cette image? Docteur Calvino? Est-ce qu'elle ressemble à ça? Non. C'est... Vous en êtes sûr? Où avez-vous eu ce dessin? Vous m'avez espionné? Je ne veux plus vous parler. Sarai, entrez. C'est Sarah. Mais vous pouvez m'appeler chef Elazar. Matt. Sarai. Mathias, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais votre nom est Sarai dans le dossier. On en a déjà parlé. Ma mère l'a américanisé. Est-ce qu'on va passer les prochaines 59 minutes là-dessus? Si c'est le cas, on peut arrêter tout de suite. Nous avons déjà discuté de votre mère. Je pense qu'aujourd'hui, nous pourrions parler des choix de carrière qui en ont découlé. M'engager dans l'armée n'était pas une excuse pour échapper à ces réflexions, Matt. J'étais seulement tourmentée. Et vous allez mieux maintenant? Vous n'êtes plus tourmentée? Je vais bien. Parce que votre dernier acte de service était l'évacuation. Et d'après les rapports... J'ai sauvé autant de vies que possible. On écoute, pour chaque hein. soldat perdu, on a sauvé une centaine de civils. Oui. Ah, yes. C'est tragique. Toutefois, perdre des hommes sous votre commandement... Ça en valait la peine, pour le nombre de vies et pour l'unification de la région. Se lancer dans une bataille perdue, affronter non pas des troupes ennemies, mais l'équivalent d'une catastrophe naturelle. Ce n'était pas naturel, mais causé par l'homme. Il n'y a pas plus en forme que vous. Ça m'a préparé pour cet endroit, Dr. Cole. Parce que cette station, c'est la même chose. Une catastrophe inéluctable. On est bien entraînés, mais mal équipés. Les recherches sont dangereuses. Les secrets sont dangereux. Vous en savez quelque chose? Ces évaluations psychologiques sont une perte de temps. Une perte de temps? Comme sur Terre? C'était différent. Vraiment? Accès de colère, problème avec l'autorité? Un an de thérapie, ce n'est pas rien. Ces dossiers étaient censés être clos. Êtes-vous en colère? Oui, ça commence là. Comment était votre vie sexuelle? Avez-vous une nouvelle relation? Non. On dit que vous avez été vu avec Mademoiselle Foy, l'ingénieur du département sanitaire. C'est le chef du département sanitaire. Et on n'est pas ensemble. Plus maintenant. Ah, et cette séparation, est-elle due à des accès de colère? À des problèmes avec l'autorité? Oh merde, on est plein. J'en ai ma claque. Faites votre rapport au You, je m'en fous. Ils mettent la station en danger, comme Transtar Nord et comme sur Terre. Vous autres, ordures mal... Mente, allez l'enterrer avec vos évaluations. Alerte système, réparation nécessaire. Chose. C'est une super ambiance ici. Oh la vache. Terrible. Boîte de conserve vide. Oh, aïe. On aurait pu réparer celui-là aussi. Alors on pourrait pas augmenter la taille. La taille 4. La meilleure uniforme avec plus d'espace dans l'inventaire. Ça fait un peu chier quand même. Hein. Fait un peu chier d'utiliser ça. Après j'ai des choses. Je peux mettre plus de choses pour la combinaison, mais j'ai pas de puce. Attends, on peut mettre plein de trucs, quoi. C'est abusé. Putain, c'est abusé tout ce qu'on peut faire en jeu. Alerte système. Réparation nécessaire. Veuillez contacter un ingénieur qualifié. Ok, ça c'est bien. Ça on répare pas. Ok, il reste plus qu'un endroit et j'ai vraiment pas envie d'y aller. Ça s'appelle la quarantaine. Alors j'espère que ce qu'on a tué c'était en quarantaine. Donc du coup on n'a plus rien à craindre. Mais j'ai... légèrement peur. On y va. Hello.
Qu'est-ce que c'est que ça? Oh merde. Une bestiole. Ah non. Sous contrôle typhon. Typhon. Trevor. Ça va? Comment on fait? Tu veux des bananes? Le sujet semble désorienté et paranoïaque. Difficile de déterminer si c'est dû à l'incident ou à la récente ablation de neuromode. Observation constante recommandée. Ça a l'air terrible, ça. Ça, c'est son cœur. Rester à 2 mètres de la vitre. Ok. Je sens que je vais faire une connerie. Ah merde, on peut pas. Oh, on connaît pas le code, vas-y. Tu connais le code, Trevor? Yeah. 7, 3, 2, 4. Attends. C'est pas ça? 7, 3, 2, 4. Non, c'est pas ça. C'est moi qui sais pas lire ou qu'est-ce que se passe? Ou alors on casse la vitre. Devries? Non. 7, 3, 2, 4. Pas assez d'emplacement de puce. Trevor, aide-moi! Je comprends rien. Okay. Est-ce que je peux lui balancer un truc lourd? Trevor, t'es chiant. Waouh. On se calme. Trevor! Bah ouais, moi c'est ce que je pense. Ah, avec espace, on peut pas. Et on... Non, on peut pas espace. C'est peut-être autre chose. Peut-être un code de... pour autre chose en fait. Bonjour. Mes excuses. Excuse-toi. Pas mettre de code, il faut trouver un écrit. Bonjour, avez-vous pris rendez-vous? Bonjour. Ah. Ah, Devries, c'est ça. Ah. Non mais je sais le code. Je m'en entrais. Putain, je connais le code. Utilitaire. Commencer le nouveau test. Non, j'en fous. Dossier. On a tout fait. Email. Email, on a tout. On n'a pas tout lu. Ah ah. Code de quarantaine. Et ben voilà. Alors là, je suspecte que... Ou alors non, il faut une carte d'accès. Donc c'est pas un code. C'est peut-être à l'intérieur du... Avez-vous pris rendez-vous? De la salle où c'est qu'il faut un code. Bon, j'arrive. Trevor, bouge pas. Trevor, on va te soigner, Trevor. T'inquiète pas. Ça va, Trevor? Désolé, Trevor.
et alors, c'est bon, on voit 2, 7, 3, 2, 4, ouais, c'est bien ce que j'en avais vu. Très bien, Trevor. Je confirme, il est mort. Bonjour, content de vous voir. Il me faut la carte. Il faut la carte. C'est bizarre, il n'y a pas de carte sur Trevor. Ou alors faut aller trouver le docteur Hendrik Devries. Hendrik. Il faut. Hendrik. Il est où Hendrik? Ah bah voilà. Ok. Hendrik. Il est où Hendrik? Grand hall de Thanos. Ok. Salle sécurisée. Puis-je vous aider? Bon, on retourne au grand hall. Ça, c'est Alice qu'on a traîné. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Aïe aïe. Il y a des bestioles! Le PC à l'entrée, il y a une énigme avec image psy. Ça veut dire quoi, ça? C'est quoi, ça, l'image psy? On va y retourner. D'abord, on va s'amuser à tuer des trucs. Ah! Petit... Ah, il est là. Petit... Où est-ce que tu vas? Tu cours trop vite, t'es chiant. Ah, la vache. Wouhou! Waouh, tu fais mal. Oh la vache. Après la tentative d'assassinat sur le président 1963, Kleb. Yes. C'est avec le gros du départ. Ah, ça. Ça, ok. On va aller le faire alors. Bah, par contre, je connais pas l'ordre. Donc spoil à mort quoi. Go. J'adore les glissades. Où est-ce qu'il y aurait un indice pour nous dire? PC à l'entrée donne l'ordre. Bienvenue.
Puis-je vous aider ? Ah, peut-être ça. Ce temps, il n'arrive pas à remporter le dossier de nos absents et systèmes. Donc je passe. Transférer sa fiche, son dossier familial. Je suis navré, j'aurais dû informer la de fatigue, j'aurais dû l'enregistrer. Non, ça on l'a déjà fait. Excelia, tu dis de la merde. Ravi de vous revoir, Docteur Yu. Ah oui, soigne-moi. On n'est pas venu pour rien. Diagnostic en cours. Blessure superficielle. Rien de trop grave pour un cas portatif. Superficielle quand même. Je dirais pas superficielle, mais ouais. Si nécessaire, veuillez contacter un ingénieur qualifié. Bon. On va le tester une fois le truc et après on va... Après on part. L'ordre de mélanger en soins de fatigue signé par les soins. Okay. Trevor. Capable de forcer d'autres vivants de l'empathie pour eux. Visez une imprimée à la quarantaine. Okay. Ces études ont démontré qu'ils existent ensemble significatifs des conditions comportementales et des ordres psychiatriques émergeant d'une équipe. Ok, c'est pas ça. Bon flic, bon flic. Sarah, Daniel. C'est bien d'avoir un aussi grand tableau et... Aha. On a eu ça. Un instant. Bah, j'ai tout mon temps. Bon, on se casse. Je crois qu'on va se casser. Non, on se casse. On verra ça plus tard. Bienvenue. Bonjour, Talos. Tout le personnel doit se rendre à son poste de travail pour la journée. Si vous devez vous absenter pour une raison quelconque, veuillez en informer votre superviseur immédiatement. Faudrait qu'on répare notre... notre combinaison aussi. Psychotronique. Ah ah, pas mal ça. Peut-être plus tard, ouais, on verra. Qui a fait ça? Qui a mis plein de... de mousse? C'était pas comme ça avant. Ça veut dire qu'il y a peut-être une bestiole. Oh. Ou elle s'est cachée. Ouais. Mais comment elle est morte ? Telle est la question. Comment est-elle morte ? On n'a pas
Pas l'air d'avoir de mimique. Bon. Mystère et boule de gomme. On est reparti. C'est reparti. Hop là. Pas là-bas. Ah ah. T'es déjà venu là. Bonjour. Ouvrir forçage de la porte. Ah ah, ok. Tu as oublié ta feuille de perso sur l'imprimante. Maintenant c'est une heure plus tard que d'habitude, sois sympa, prends une petite pilule qui rend aimable avant de venir à toutes. sur l'imprimante. Ça ressemble à quoi une imprimante ici? Avec les autres, je te raconterai tout au déjeuner, ça marche. Psychotronic Staff Only. Mais ils ont l'air de tous se détester ici. Hein. Ils ont complètement l'air de tous se détester. Bonjour Morgan. Bonjour. Il est temps qu'on parle. Mon nom de code est December. J'ai été conçu pour vous aider à fuir Talos One. Je sais que votre mémoire est criblée de trous. Mais vous avez laissé des instructions en cas d'évasion des Typhoons. Alex possède un module d'évacuation personnelle. Vous avez fait une copie de sa clé de lancement et l'avez cachée dans le département Neuromode avec des provisions. Je vous transmets l'emplacement exact sur votre carte. Je vous contacterai à nouveau lorsque vous aurez la clé. Ça y est, ça commence. Le bordel. Quelqu'un nous dit qu'il faut tout détruire, l'autre nous dit qu'il faut s'échapper. Oh merde. Ça commence. Bingo. On pourrait pas casser ça, je suis sûr que plus tard on va pouvoir casser ça. Genre avec une habilité ou un truc. Alors, ça c'est le mien, ça c'est l'autre. On est bon. 3 ou 4 fins, ouais quand même. Je veux qu'on m'appelle l'homme tourelle. On va faire des tourelles. On a combien de neurones? On a qu'un seul. On les balance beaucoup plus loin maintenant, les machins ou pas? Okay. Maintenant on les fait péter tellement qu'on les balance fort. Ok, sympa. Qu'est-ce que... What? Ah! Putain de merde. Charge.
Non, il est pas mort. Voilà. Oh merde, c'est toxique. Ah putain. Ok, alors eux, faut pas les finir à la clé à molette, quoi. Chiant, c'était même pas fait de toucher une fois, quoi. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce que nous avons du pop star. Bon, ça servait un peu à rien de l'utiliser, mais... Il me semble qu'on peut recycler les coffres et leur contenu. D'accord. Avec une grenade ? Waouh, ça me dit tellement rien, qui va. Bonjour. Tu le sens le piège là ou tu le sens pas? Oh mon dieu! Grenade farm chinoise. D'accord. C'est pas mal ces grenades. J'espère qu'on pourra en récupérer pas mal. On est où? Sauvegarde en quoi? Ah merde! Le département psychotronique est un endroit dangereux, Morgan. Qu'est-ce que tu cherches? Quelqu'un te vient en aide? C'est Michaela et Lazare? Je peux espionner les messages de votre frère. Nous sommes d'accord sur ce point. Sortez de là le plus vite possible. Vous devez trouver le sas de maintenance d'un tunnel de service qu'on appelle le TEG. Il vous conduira au sommet de la station. Ok. Je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Et on continuera demain. Kit de réparation de combinaison. On est à 80%. On a 1 euro. Qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois? Qu'est-ce qu'il faudrait débloquer? Désassemblage. Permet de démonter l'équipement de votre inventaire pour en obtenir des pièces détachées et récupérer des pièces détachées sur les opérateurs détruits. Ça, il faudrait ça en fait. Je pense. Et après, on fera les armes. Genre, augmente les dégâts des armes. De santé jusqu'à 150. Espérance de vie augmentée de 25 ans. De 50 ans. De 75. C'est quoi ça? C'est énorme. Ouais. On fera ça, comme ça on récupérera des kits. Je vais voir un peu les armes, à quel pourcentage elles sont. 83, 61. Réparer. Hop, le pistolet par contre. Ah non, ça va. Je croyais qu'il était bas, mais non, ça va. Améliorer, on peut pas. Ah oui, armurier aussi, il faudra augmenter. Armurier. Pour qu'on puisse augmenter encore nos armes. Ça, c'est modificateur d'armes. Une fois injecté, augmente le potentiel psy d'un individu. Donc, ouais, c'est pas mal.
C'est bon? Ouais. Ok, on s'arrête là.